delicious. Who's gonna cook, sir? Poète, 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 poète. Je commence direct. J'en ai rien à foutre. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je voulais faire des choses. Mais je voulais aussi cuisiner. Du coup, je vais un peu cuisiner. Salut, studio. Je suis là pour faire de la cuisine. Il a lancé un peu direct. Mais tais-toi, studio. Tais-toi donc. Balle. Parce que la dernière fois, on a loupé un truc, je crois. On a laissé une médaille d'argent. J'aime pas ça. J'aime pas laisser les médailles d'argent. Faut que je fasse gaffe à ma caméra, parce que c'est la caméra où je peux pas me gratter les couilles. Enfin, je peux, mais vous allez être là. Oh, il se gratte les couilles, c'est trop drôle. Je crois qu'il y a une médaille d'argent qui traîne, là. Elle est où? Elle est pas dans les burritos. Ah, dans les cafés. Eh oui, c'est vrai, elle était là. Elle était là. Je sais plus comment on fait les cafés. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Ah oui, ça, c'est de la merde. Cantaloupe, tangerine, strawberry, kiwi. Salut studio. Mais vous m'entendez là, non? Je suis justement en train d'y jouer. Big Burger, Last Level, je pleure. Ah bye. Ah oui, les espressos. Je me rappelle pourquoi j'avais chié alors. Parce qu'on avait pas le temps, on était en marathon 24 ans, 24 jeux. Alors attends, latte, le mocha c'est quoi? C'est eau le mocha, ice milk. Et après faut place the cover and blend. C'est un enfer ça. C'est vrai que les on s'était fait chier dessus parce que les cafés ça va trop vite. Les expressos ils sont vraiment express dans ce jeu. Putain, je dois sortir ce soir, on voulait aller dans un bar. Et il est fermé. Quel enfer. Du coup, faut trouver un plan. Conseillez-moi des plans incroyables. Conseillez-moi des plans de ouf. Salut P, salut Def, salut El Bourreau. À ton café, Afan. Go, Ruec. Ruec, non mais Ruec. Ruec, c'est même pas la bonne ville, quoi. Tu demandes au serveur un B55. Ouais, j'y crois pas trop à ça. Un espresso. Latte, mocha, vanille, ice, milk, place the cover. Latte, mocha, ice milk. Merci beaucoup pour le sub, je ne sais pas qui c'est. White chocolate. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Choubi. Bisous. Des bisous. Choubi pour ton retour, merci beaucoup. Oh, je suis tellement dans la mer. Grape, apple, strawberry, kiwi. Latte, mocha, vanille, ice, milk, c'est. 2-5, 2 espressos en 3 et en 4. Espresso en 4, le latte white chocolate, ice milk cover. Ça, on envoie le 3, on envoie le 4, on envoie un espresso en 5. Latte white ice milk cover. Latte ice milk cover. On envoie ça, un DK pour la 1. Le 4, le 5, le 6. Ah, il allait brûler le bâtard, il allait tellement brûler X. En vrai, c'est un enfer les cafés. Les cafés, c'est l'enfer. Café. Dans le café Faderme, c'est l'enfer. Ah, c'est vrai que le. Normalement, c'est bon. Va au gourou pour être trop tendance et hype. Maintenant que t'es un influenceur, c'est le moment de sniffer de la coke avec des personnalités. En vrai, le gourou. Le gourou, quoi. Oh, j'y suis déjà allé, c'est pas. Ouais, il s'est fait brasser par Sardoche, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai en plus. Putain. Bon, faut dire, on était complètement. Décédé. Non mais faut pas voir ça comme ça en fait. Certes il y a des gens voilà. Mais il y a aussi parfois des gens bien. C'est le bar de Bategel. Le bar de Bategel. Je sais pas trop si j'ai envie de croiser Bategel. Je sais pas.
Décédé ou débranlé? Débranlé. Sébastien qui doit être gelé. Je sais pas. Tu l'as pas dit, lui, il est gelé. Sébastien était. C'est moi qui pue là? Pourtant, c'est des affaires neuves, ça. Ah! Oh merde. Truc qui pue là. Ah, peut-être que j'ouvre la fenêtre. Oh merde. Décès dans live, intoxication. Je crois que c'est mes chaussettes qui puent. J'ai pas vérifié si elles étaient propres. Sois pas jaloux, Asrar, non. S'il te plaît. Ils veulent tous des décas de merde là. Les toilettes. J'espère que j'ai rien oublié là. Il y a vraiment une odeur. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais il y a une odeur. C'est insupportable. C'est un rat mort. Sous. Si je sais pas, je regarderai. Un rat mort. Un rat mort, ce serait embêtant quand même. C'est le pire jeu pour les bruits de clavier. Ah bah c'est fait exprès pour les bruits de clavier. C'est de l'ASMR. Si vous aimez pas les bruits de clavier, clairement c'est... Oui, c'est le pire jeu. Putain, je m'en sors trop bien. Cantaloupe, tangerine, strawberry, kiwi. Pardon. Cette gestion des sides. Quoi? Hein? Pourquoi j'en ai foiré un à la fin là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai envoyé alors qu'il était pas chaud. Putain, je suis sûr que je l'ai envoyé alors qu'il était pas chaud. Putain, je suis le pire joueur, c'est un truc de fou. Salut à Trilith. Ah, je suis le pire joueur. Putain, je suis le pire joueur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Dites-moi ce que j'ai oublié, putain. Non. Et ça pue là, je sais pas si c'est mes pieds. C'est un chat crevé. Il y aurait Aeterna qui serait ban de la chaîne, mais pourquoi? Qui c'est qui s'amuse à faire ça? Le pas si. Mais en plus. C'est les modos. Elle est pas ban de la chaîne, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Comment ça, elle est ban de la chaîne? Bah, comment tu sais? Bah, elle m'envoie un message privé pour me dire qu'elle est ban de la chaîne. Est-ce qu'on peut l'unban? Et je fais unban à Eternal Live, elle est pas ban. De toute façon, c'est vrai qu'on peut pas ban un modo, c'est le comédien. Elle joue pas à parler. Débanne-moi de ton chat. Bah, ouais, je veux bien. Mais... Il va super Bastis, merci pour 5 mois. Ah mais c'est vrai que je suis sub ici, de rien pour l'argent, merci beaucoup. Des bisous. Sur mon autre pseudo, bah ouais mais je sais pas, moi je vois personne qui a été ban en fait. Je regarde mon chat, il y a Studio Bon à Paris qui a pris un. À moins que Révélation. Révélation aujourd'hui. Merci Mister Lovely pour 3 mois de bisous. Merci beaucoup. Je sais pas. Ah si je vois. Tu vois toi? Mais ça a été. C'est où? Je vois. Tu le vois où ça? Ah ouais. Ah bah oui, mais bon, qui c'est qui a pris la décision de faire ça? Ah, j'avais pas vu. En même temps, moi, j'aurais fait aussi. C'était tout petit. Moi, j'aurais reconnu, mais... je comprends pourquoi les modos l'ont fait. Mais j'ai pas vu, j'étais trop concentré. Ah, il y a du caramel aussi. Ok, d'accord. C'est peut-être ça que j'ai chié tout à l'heure. J'ai peut-être chié un caramel, en fait. Bah, gros bisous, Eterna. La modération s'excuse pour ton message... Bon, elle s'excuse pas. Elle s'excuse pas, mais je veux dire. Elle excuse ton message, on va dire. Bon, oh, ça crame. C'est elle qui doit s'excuser. Vous voyez ça entre vous, écoutez. La talismique. Moi, je l'aurais pas. Bah, c'est vos consignes, hein. Vous avez respecté votre boulot, hein. Ça, je peux rien vous dire, hein. Oh, y'a tout qui crame là!
LMR CAO. C'est la merde CAO. Oh, des cafés partout. Des cafés comme s'il en pleuvait. Des tangérines. Merci Magitos pour 15 mois j'ai pour ta liberté, des bisous. Je suis avant tout humaine. Moi aussi je t'aurais ban. Pourquoi tu passes par un alt? Tu as honte de ne plus être sub, j'imagine. Demain le bateau est avancé à 9h. Le bateau? Quel bateau? Moi je prends pas le bateau demain, je vous le dis tout de suite. Là, ma cousine qui me répond pas alors que je lui ai dit que le bar où on allait il est fermé. Il est fermé, fermé pour travaux. Depuis 6 ans. Où est-ce qu'on va? À Eterna, où est-ce qu'on va? C'est une Ekoda. Salut Erdil. Plus être sub en 2018, putain. T'imagines en 2019? Hop. Bon, cette fois je foire pas là. Parce que tu peux pas accéder à ton vrai compte. Oh merde! Ah bah oui, c'est vrai que tu peux pas recevoir de SMS, quel enfer. Oh là là. Ah oui, c'est un enfer ça. Tu peux réoffrir un sub 25? Bah, faudrait qu'elle soit plus sub pour ça. Mais de toute façon, on peut pas y accéder, donc perdu. Ah si, moi je peux. Quelle indignité. Quelle indignité. Merde! Non! Oh, les tangérines! Cantaloupe, tangerine, strawberry, kiwi, latte, mocha, vanille, ice milk, cover. Et tout, personne m'a encore expliqué. Tu veux comment quoi je comme suis bar mort tout à l'heure. Tu veux quoi comme bar? Bah je sais pas, on voulait jouer à des jeux de société, mais bon bah pour le coup ça s'est perdu je pense. C'est bien ce qu'il fait mon intermédiaire. J'ai pas besoin de regarder le chat pour lire le chat. C'est mon interprète. Oui, yeah. Mais tout crame trop vite, putain, les cafés, là. Ça, c'est tout ça à cause des businessmen, là, qui vont bosser comme des à la défense, là. Et le matin, il leur faut leur putain de café, parce que sinon, ils arrivent pas à se réveiller, parce que leur vie, c'est de la merde. Voilà. Mon rêve, c'est de travailler à la défense. Sacré rêve. Eh, chacun ses rêves, monsieur. On critique pas les rêves des autres. Qu'est-ce que tu leur sers aux voyageurs? Il y en a sûrement d'autres. Ouais, je pense qu'il y en a d'autres, des barrageux. Même sur le 18-25, la légende des mecs qui... Mais non, mais... C'est pas une légende. Est-ce que t'as léché ton écran de Game Boy quand t'étais petit? Tiens. Oui, voilà. C'est pas une légende. Regardez, mais genre, on a fait le test hier, la plupart des gens ont déjà léché leur écran de Game Boy. Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui le faisaient. En fait, ça doit dépendre des cours de récré. Il suffisait que la rumeur se spread, et c'était fait. Non, on meurt pas à 27 ans, tu nous manquerais. Super pastis. T'as tellement insulté toutes les mères du monde sur ce chat que finalement, tu finirais par nous manquer, comme studio, tu vois. Tu ne bois pas de café, tu travailles à la défense. Pourquoi faire la Game Boy? Oh, j'ai 75 médailles d'or. La Game Boy, c'est pour mieux voir. La légende, c'est qu'en fait, comme elles n'étaient pas rétroéclairées à l'époque, ça permettait de mieux voir ce qui se passe. Ça fait effet loup. On continue dans les cafés. Oh, il y a des sandwichs, il y a des clubs sandwich. Club sandwich. C'est parti. Merci Crozy pour 15 mois, des bisous. Je suis arrivé en cours, c'était quoi la rumeur quand tu achetais la Game Boy? Bah c'est que ça, tu voyais mieux en fait. Quand t'as Game Boy, tu voyais pas assez dessus. Mais cette rumeur, c'était post, pas près, Game Boy SP. À partir du moment où c'était rétroéclairé, plus personne faisait ça. À partir du moment où t'avais une bonne Game Boy, ça allait. C'est quoi ça? Oh, ça a l'air trop bon! Mec, c'est du Rice Krispies avec du marshmallow. Ah bah oui, ils font des... Comment ça s'appelle des... Ah oui, ça a un nom ça. Ah, oh, ça a un nom. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, de la mayonnaise, non? Ah, c'est quoi la turkey? U. C'est quoi la laitue? L. Tomato T. White top. Oh non, mais non. Putain, les pires sandwichs. Mais comment ça s'appelle les blocs de Rice Krispies là?
Vous êtes fou, allié. Ouais, mais quand t'es gamin, tu crois à beaucoup de choses. Et du coup, bah, ça se prédait dans les cours de récré. Hein. On n'est plus rien. Hein. Fou, allié. Mais ça a un nom, ça. Kellogg's, ils en faisaient. Ça juge. Ils en faisaient et ça a été vendu en France pendant très peu de temps. Des Coco Pops périmés. Non, mais ils le faisaient en France. Kellogg's l'avait introduit en France pendant... C'est pas les Pop-Tarts ? Non, les Pop-Tarts, c'est encore autre chose. Mais ils faisaient ça, des fois. Les galettes de riz, sinon... Ouais, mais non, parce que là, c'est fait avec des Rice Krispies, donc c'est du blé soufflé. Tu vas me dire des galettes de blé, mais... Non. Ah oui, non, Rice Krispies, c'est du riz, mais connard. Je suis vraiment le pire. Je suis désolé, chai tea, c'est bon. Je suis vraiment désolé, hein, c'est du riz. C'est en effet du riz. Monte ta tête. Si je fais ça, on voit ma tête. Coucou. C'est pour ça que je vais racheter une C920 comme ça. C'est pour ça que j'ai mis cuisine minimaliste, parce que bientôt quand on refera de la cuisine l'après-midi, ce sera pas minimaliste. Comme vous voyez, j'ai pas le nouveau layout non plus. Y a pas de beau layout là. Vous pouvez vous dire, ah, il nous a menti, salaud. Oh putain, je suis tellement dans c'est la merde. C'est donc bien toi qui joues au jeu. Bravo. Ouais, bah ouais. Life. Oh les sandwichs. Wet, mayo. Ah mais arrêtez avec votre putain de mayonnaise là. Ça crame. Du hasty. Ça s'écrit comme ça, hasty. Wheat, mayo, lettuce, bacon, tomate, wheat. Oh, j'ai trop de sandwichs à faire. Shiabata. Pourquoi il veut du pain shiabata, lui? Ham, turkey, chicken, laitue, bacon, shiabata. White, mayo... Ham, turkey, lettuce, tomato, white. Ils font chier avec leur sandwich, hein. Mustard, la mustard. Du Swiss cheese, ham, lettuce, tomato, white top. En vrai, les sandwichs, ils sont vraiment trop bien faits. Ils sont trop intéressants à faire. Du mint tea. C'est des brocolis, ça? Ça a l'air trop beau. Les sandwichs, c'est pire que les salades. Mais c'est super intéressant à faire pour le coup. Et ça, c'est des marshmallow squares prep. Mais ça avait un nom, putain. Ça avait un putain de nom, je sais plus ce que c'est. Faut vous faire de la danse des mains. Oh lol, cringe. Faut admirer à quel point mon clavier est propre, surtout. Ils n'arrêteront donc jamais avec cette mayonnaise, hein. C'est infini quoi. De toute façon, c'est mayo ou moutarde. Tu peux pas te faire un sandwich correct quoi. Enfin, si moutarde, c'est moutarde ça va en vrai. Mais tu peux pas te faire un petit sandwich sauce au poivre, petit sandwich ketchup, petit sandwich même sans sandwich sauce ketchup, du genre. C'est dégueulasse. Bah, même sans sauce, c'est très bon. Mayo. Une petite sauce ranch, sauce oignon. Petite sauce ranch, en vrai, ça passe tout seul. Hein. Oh, la vaisselle juste avant. Oh, tous ces cafés préparés d'un coup, là. Oh, je prends le dé. Oh, j'ai réussi à envoyer tous les cafés qui étaient en train de cramer d'un coup. Et donc, tout le monde qui prend un café, là, est obligé de se taper un comment dire. Tout le monde est obligé de se taper des brocolis avec, quoi. Ça, c'est l'endroit responsable. Si tu viens, t'es obligé de manger des légumes, quoi. Chai tea. C'est quoi le chai tea, déjà? C'est H. Le fameux chai tea. Envoyer les cafés d'abord. Classic tea, c'est bien C. Ouais.
Ça, on s'en sort plutôt bien. On va refaire des marshmallows bizarres, là. Putain, c'est pas des marshmallows bizarres, ça. Mais du coup, c'est des calchips. C'est quoi, des calchips? Vous pouvez me traduire calchips, ouais? Calchip dans les prés. Ciabatta, mayo, cheese, ham turkey, chicken, lettuce, bacon, ciabatta, le pain ciabatta. C'est bon, le pain ciabatta, ça. Sandwich poulet barbecue. Ketchup, c'est immonde pour moi. Ah, je peux comprendre, hein, mais je déteste la mayo, donc si vous n'avez pas le ketchup, faut venir voir. Hein. Genre un petit sandwich sauce barbecue ou... Ah, un petit sandwich sauce ranch. Sauce ranch. Au moins la sauce ranch, quoi. Possible d'avoir la musique de Regu Hanouna. Pourquoi? On n'est pas sur Isaac, là, quand même. J'ai débloqué le valet de carreaux. C'est quoi après? Oh, c'est des smoothies. C'est du bubble tea. Ah, c'est peut-être des bubble tea. Hommage. Ce serait un hommage. On va tester les bubble tea. Oh, on peut faire des cookies. Dark cookies chocolate. Bon, personne pour me dire ce que c'est que ce truc là. C'est quoi ça? Du marshmallow square spread? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est chiant. 2% milk. C'est quoi le 2% milk? C'est thé. Oh non, ça c'est horrible! Ice. Half, half and half. H. Espresso. Cinnamon powder, mais je peux pas. Ah oui, whip d'abord, cinnamon powder, lead. Oh non, c'est un enfer, ça. Ça, ça, c'est pire que les soupes. Caramel, drizzle, lead and sleeve. Bananas, ah, c'est milkshake. C'est bon, les milkshakes. Mangez des milkshakes, buvez des milkshakes. Le soy milk, putain. C'est quoi, watermelon? Ah, j'ai oublié de mettre le cover, si. Bah ouais, j'ai oublié de mettre le cover. Du coup, j'en ai foutu partout dans la cuisine, quoi. C'est un enfer, ce truc-là. Hein. Ça, c'est vraiment l'enfer. Hein. Le FF milk, quoi. Mais il y a tout qui crame aussi. Soy milk. Je m'entraîne un peu parce qu'on va le retester après. Mais à mon avis, on va jamais le réussir. Hein. C'est trop dur en vrai. Après, il n'y a pas l'air d'avoir de piège sur les inputs. Y a pas l'air d'avoir de piège sur les hypnotes. Enfin, white chocolate là, si. Bah, si, y'avait un piège, putain. Oh là là. Watermelon, c'est pas steak. Oui, mais je savais pas c'était quoi l'input. T'as trouvé la gueule? Comme une barre de céréales mais en gâteau et en carré. Ouais, c'est ça, mais j'aimerais retrouver le nom de... Le nom qu'avait donné Kellogg's. Comment ça s'appelle là-dedans? Marshmallow. J'essaie de retrouver ça en direct. C'est bon, je les ai trouvés, c'est les Rice Krispies Kellogg's Treats. Ok, attendez. Hazelnut, Ice, FF, machin. Caramel Drizzle, c'est C. Mais j'ai déjà trop de retard là. Les chiottes. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. C'est ça, regardez. Putain, j'ai pas le temps. Vanilla, date chocolate, whip, caramel drizzle, lead, sleeve, cinnamon. Putain, cinnamon c'est passé, c'est I quoi. Whip, cinnamon, toujours. Ah mais du coup c'est cohérent, ça reste cohérent. Half and half. C'est bien H, E, whip, cinnamon, choco drizzle, lead, et ça part. On envoie. Yogurt?
Ice Milk. Toi, tu manges ça, t'es refait, quoi. Oh, j'ai oublié le cover. Oh, mais c'est un enfer. Vous pouvez même pas savoir à quel point c'est l'enfer. Des chocolates. J'ai oublié le cover. Mais je vous envoie, regardez. C'est ça. Vous pouvez même l'acheter sur Amazon. Vous voyez que j'ai... Quand même, j'ai réussi à retrouver, hein. Et de mémoire, c'est dégueulasse. De mémoire, c'est immonde. Non, en vrai, c'est pas si dégueu. Mais... Il me semble que ça... Ça a pas vraiment beaucoup de goût, c'est juste genre du... C'est comme les barres de céréales. C'est vraiment comme les barres de céréales, sauf que... Sauf qu'il n'y a pas de goût en plus, quoi. De l'avocat dans ton... Hein? Et pourquoi? Orange juice. Des bananes, strawberries, raspberries, pineapples. Et pineapple. Salut Solian. Ça a l'air ignoble. Oh my god, merci du coup. Ça a vraiment pas l'air bon. En vrai, c'est pas... De mémoire, c'est juste... Ouais, vous savez, les barres de céréales, bah ça, sans le chocolat ou truc du genre, quoi. Choco drizzle. C'est bon. Pineapple juice. Des kiwis, du watermelon, des pommes. Be sure to place the cover. Salut Maro, il est jamais à la manette. Mais Aeternal a déjà des bans du chat. Merci à ceux qui viennent le dire. Ne vous inquiétez pas, on a réussi à trouver la faille. Il a retrouvé le pseudo. On a trouvé pourquoi c'était fait ban. Pour provocation et demande d'exhibitionnisme. Ouais. Pour incitation à l'exhibitionnisme. Incitation au ban. Au ban de la chaîne. Non mais là, c'est la merde. Incitation à la débauche. Oh, je prépare ça comme jamais. Du toffee. Ice, soy, espresso, lead. Des bananes. Des blueberries. C'est quoi les blueberries du coup? C'est L. Cinnamon, c'est I, faut pas tomber dans le piège. Cinnamon powder. Oh, ceux qui prennent à emporter, c'est les pires. Harmonité. C'est quoi harmonie? Ça, ça crame. Hazelnut, ice. Alphenalp Expresso. House Café. Oh, c'est chaud quand même. J'ai plus rien en plus en haut là. Des chocolates. Oh, je me chie dessus là. Peanut butter. Oh, ça doit être trop bon ça. Non, toffee, si c'est bon. Caramel drizzle. Pourquoi il veut qu'on le sleeve, lui? Apple juice. Pineapples. Apples. Ça donne trop faim, par contre. Banana strawberries. FF milk. Earl Grey. Oh, les meilleurs thés, putain. Des chocolates, whip, choco drizzle. On va refaire des cookies, peanut butter. On va refaire autre chose aussi, genre oatmeal. Oatmeal, lemonade, strawberries, watermelon,
Après, il y a trop de trucs. Yogurt, ice milk, kiwi, strawberry, orange, be sure to place the cover, vanille, ice milk, espresso, whip lead. Il veut quoi lui? Un espresso, il veut un espresso aussi. Toi, tu veux ice milk, blueberry, raspberry, be sure to place the cover, apple juice, pineapple, apple. Toi, tu veux quoi? T'as ice, soy milk, watermelon, kale, be sure to place the cover. Vanille, ice, almond, hein. Vanille, ice, sonic. C'est chaud. Shaiti, c'est quoi Shaiti? C'est H. Bon, j'espère qu'il n'y avait pas de blueberry parce que j'ai pas appuyé sur L. Hein. Clairement. Oh merde. C'est des pièges dans tous les sens, ça m'énerve. C'est moi ou je suis un peu un génie quand même? C'est beaucoup trop dur en vrai. Des chocolates. White chocolate. Whip. Choco drizzle. Choco drizzle, c'est H. Cinnamon. White chocolate. Whip. Lui, il veut juste half and half. Ok. Si je chie là-dessus, j'arrête ma carrière sur Twitch. On en a fait que 50 commandes. Mais c'est la médaille d'or quand même. Et les cafés, y'a rien de pire, je crois. Bon, je suis toujours pas en haut où je vais, donc... Qu'est-ce qu'on a ici? Y'a du brownie. Y'a des brownies. Petit brownie. Ça, je vois ce que c'est. Mon Starbucks, c'est clairement le plus compliqué jusque-là. Hein. Enfin, c'est l'un des trucs les plus durs. Hein. Bon, on va tenter les brownies et les donuts. Ah, c'est juste ça, brownie. Putain, mais c'est trop bien. Les croissants. Clairement, c'est des croissants surgelés. Hein. Bravo. Hein. Bravo. On fait ici de Starbucks pour les croissants surgelés. Salut, maman. Ouais, les donuts, c'est facile aussi. Ça. Bon, par contre, j'ai beaucoup trop faim, ça y est. J'ai envie de manger comme un gros porc. Miam, miam, miam! Salut Alex Flex. We'll get there. Ah merde, oui, il y a les icing à faire, c'est vrai. Oh, mais regardez-moi ça, comment... Faut faire OU. Là, faire OOOD. Et après, faire OU. Mais du coup, il n'y a rien de compliqué dans celui-là, on peut pas se planter. Techniquement, on peut juste couper une commande, mais... Ouais, on peut faire cramer des cafés. Dans celui-là, on peut faire cramer le café, mais on peut pas faire vraiment d'autres choses très dures. Enfin, on peut pas se planter sur des choses compliquées, je pense. On peut envoyer des donuts sans glaçage. Bon, à ce compte-là, le mec, il est content quand même, quoi. Ah, les flocons d'avoine, là, le muesli flocon d'avoine, faut le voir le bouffer, hein. Tu te prends des donuts avec flocons d'avoine en plus, je peux te dire, la journée de boulot, elle commence bien, hein. Ouais, 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 ouais. Ah, les brownies ont l'air trop bon. Tout est trop bon dans le jeu. Quoi. Bon, sauf les trucs au cinnamon là qui ont pas l'air ouf. Ça, là, ça... Ah, il y a les Tropic Tea. Ah, là-dessus on peut se planter. Ok, là-dessus on peut vraiment se planter.
Café de merde. Méditation thé. Le méditation, mais... Qui a besoin de méditer avec du thé, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? On a plus de brownie, voilà. Cassez-vous de chez moi, j'ai plus de brownie. Mais tout bouffé. C'est chaud parce que là, il y a quand même pas mal de stations. Comment c'est, il y a pas mal de stations et il y a pas mal de gens aussi. J'ai pas un level. Cool. Du chai tea. Oh, les raccourcis pour le thé, c'est full piège. J'avoue, ils auraient dû mettre le principe d'écrire des noms. Ça aurait été vraiment trop drôle. On aurait vraiment, vraiment beaucoup plus rigolé si on avait écrit les noms comme dans Starbucks. Lait d'amande, c'est 100 fois mieux que le lait de soja, sinon amande noisette, c'est super aussi. Je goûterais bien. Mais voilà, en plus, il y a quelqu'un qui l'a call, Kimito, t'a call, qu'il faudrait écrire le prénom, ce serait cool. Ça aurait été une bonne idée. Mais ça aurait peut-être trop ressemblé à Starbucks, du coup. Cramer les donuts. C'est vrai que je peux cramer les donuts aussi. Si je les laisse. Texas Tea. Je me rappelais que c'était EX. Ouais, j'ai quelques souvenirs de la dernière fois quand même. Chaiti. Peach tea. La vaisselle, on fait la vaisselle. On renvoie les poubelles. Classique thé. J'ai tout laissé par défaut, je bind jamais les touches. Mais c'est vrai que ça peut être utile de bind les touches, hein, j'avoue. Perso, je préfère jouer avec ce que le dev propose, c'est plus rigolo. Surtout s'il a... Normalement, il fait pas trop de pièges, mais c'est assez logique quand tu te poses 2 secondes. Mais des fois, tu te fais un peu avoir par les trucs, c'est rigolo. Ta-ta-ta-ta-la. Il me remet un café à la fin, là. Regarde-moi, papy, là. Papy qui vient chercher son café, là. À 10h30, tu vas bien dormir. Non, c'est pas de la triche. Enfin, ça dépend. Ouais, après, tu peux te dire, toi, que c'est de la triche, et du coup, tu le fais pas, mais... C'est vrai que, perso, je le fais pas, mais c'est pas pour cette raison-là. Quand un même ingrédient a 4 bains différents, c'est chaud, ouais, c'est vrai. C'est le Oxbread. Du coup, on peut tenter ça parce qu'il y a une nouvelle recette, mais elle a l'air de faire peur. C'est quoi? C'est une salade de fruits? Salade de fruits avec des olives. En fait, c'est des raisins. C'est des raisins. Et cantaloupe, ce serait pas genre de la clémentine?
On va taper Cantaloupe. Je veux pas une photo d'Eric Cantelour. Cantaloupe. Cantaloupe est le nom de la variété du... Ah, c'est une variété de melon. Ok. Comment on dit clémentine en anglais? Clémentine. Ok, très bien. Cantaloupe, c'est pas un melon. Si, c'est un type de melon, apparemment. Bon, on va tenter la salade de fruits. Et depuis 1988, hein. Des brownies. Des brownies. Des cookies. Bon, ça, ça... Hein? La vinaigrette? Avec des tomates? Ouais, si, des... Avec des pommes? Avec des oignons? Ouais, onion shots, ok, mais pourquoi? C'est une salade, en fait, mais c'est pas une salade de fruits, du coup. Parce que j'avais peur que ce soit de la vinaigrette avec des fruits, mais... C'est Magaki. Un bon site pour acheter un PC gamer. On en parlait hier, tu vois. Site personne, cherche un porte. Écoute, si tu trouves un site qui peut m'installer la RTX gratos dans un nouveau boîtier. Gratos. Bah mec, quand t'achètes une RTX, ça te coûte déjà un bras. Alors si on peut te l'installer gratuit. Ah, ouais, mais tu la payes. Évidemment que je la paye. Je paye la carte, moi. Et tu leur fais de la pub après. Ouais. Bah, c'est trop. De quoi? Bah si on m'offre un boîtier, ouais, si on m'offre un boîtier d'installation, ouais moi je vois mon cul. Hein. Les tomates sont des fruits, ouais bien sûr, mais tout est un fruit en fait. Les légumes ça n'existe pas. Le carré est un fruit, le rond est un carré. Là c'est un peu le petit déj McDo quand même, hein. À base de saucisses, à base de sandwich saucisses. Brownies. Oh là là, non, c'est chaud en vrai là. Tangerine, c'est N là. Oh là là, sunflower seed. Avocado, c'est V. On va galérer là, je pense. Oh, surtout que j'ai pris une... C'est ça que je voulais prendre, à vrai dire. Choco drizzle. Brocoli, pécan, dégueulasse le pécan aujourd'hui. J'ai failli cramer. Cranberries. Trop de tâches ménagères. Pouvoir recruter là, putain, il nous faut des commis. Les Allemands, les Allemands, mais oui, les Allemands. Les cookies au sucre, ça existe, c'est pas genre. Merci Bleu du Ciel pour 7 mois, des bisous. Merci beaucoup Bleu du Ciel. Je sais pas ce que je viens de perdre là, du brownie je pense. Cinnamon. Putain, je confonds les tâches ménagères là.
J'étais en train de récurer les chiottes alors que c'était pas les chiottes, quoi. Il fallait faire de la merde. Trop de salade, trop de salade. Balsamique. Tangerine, c'était bien. N. Pécan. Blue cheese. Ok. Trop de salade. On élimine les salades. Tellement dans la zone là. Ouh là là. Oh, je respire. Un café, putain, mais arrêtez avec vos... En plus, c'est même pas des cafés, c'est des trucs super fancy, là. Qui boit ça, en vrai? Pas de Spider-Man, du coup. Non, j'avais envie de faire complètement autre chose, finalement. Je sais à quel point ça aurait été redondant, Spider-Man, donc non. Yes! Putain, cette médaille d'or, elle était dure, hein. Celle-là, elle était bien chaude, hein. Putain, mais vous imaginez, oh là, mais ça... Ça, c'est pas, ça c'est 100% pas faisable, hein, je vous le dis tout de suite. Ça, là, c'est infaisable. Déjà, ça... Non, mais déjà, ça, c'est trop chaud. Hein. Avec le café en plus, là, oh là 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 là. Y'a quoi, ici? Ah mais on avait déjà fait les salades finalement. On avait même fait du poulpe et des bananes. Oh, des nouvelles recettes, c'est parti. C'est Nicolasito. Y a pas de live ce soir en fait, je... Enfin, j'espère que ma cousine va me répondre assez vite. Je sais qu'elle avait une réu avant mais... En gros on devait aller dans un bar et il est fermé pour travaux. Il faut qu'on trouve un autre bail. Moi, des bails, je sais pas, j'en ai plusieurs en tête, mais. Faut qu'on soit d'accord, quoi. Tu n'avais pas 100% le jeu? Non, pas du tout. Non, mais non. Ah, Spider-Man, tu veux dire? Spider-Man, non, il reste les. Comment dire, les. Spider-Man, il reste les crimes. Vegetable. Oh, ça sent la merde, ça. Le custom gazpacho, ça sent la merde. A plus, Super Bastis. C'est Def Chicken. Y tomato. C'est tout? C'est limite trop simple, je suis déçu. C'est quoi ce restaurant gastronomique là? Et puis pourquoi je suis là là? Pourquoi il y a moi-même dans le jeu? Il y a pas de side? Ah si, c'est un side, c'est la soupe là. Donc les mecs commandent une soupe et ils ont une soupe en plus. Bon bah hein. Des fleurs dans le... D'accord. On ne juge pas, on rappelle qu'on ne juge pas. On ne juge pas ce que les gens mangent. C'est très mal poli. Blackberry, close door. Blackberry, close door. Allez, c'est parti. Watermelon. Ah, c'est quoi ça? Ce sera toujours POS?
Ah, c'est POH. Oh, mais j'ai. Ah, je crois que j'ai chié. On verra quand elles seront cuites, mais je crois que j'ai fait n'importe quoi. Ah non, c'est bon. Shrimp, brocoli, mushroom, peppers. Oh, les salades, ça. Enfin, pas les salades, mais ça, c'est un enfer. Ah, mais ça cuit trop vite. Parmesan, mais oui, mais parmesan, c'est R. Mais les pâtes, c'est un enfer. Ils m'ont montré les pâtes qu'à la fin. À la toute fin, ils me font « Tiens, regarde comment c'est chaud !» Ça rappelle les lasagnes sur le 1. Je sais pas, les lasagnes c'était facile, t'apprenais les recettes par cœur, c'était pas si compliqué, mais genre là. Il y a l'air d'avoir 50 bindings différents pour les. Pour les, comment dire, pour les pâtes. Cucumber. Cucumber, mais où cucumber? Et là. Balsamic oil et de l'avocat. C'est parti. Les lasagnes c'est assez simple. En vrai les lasagnes c'était assez simple hein. Je suis d'accord avec ça. C'est quoi, c'est une soupe de... Je comprends pas ce que c'est ça. Pea flower. Ah par exemple, lui il veut que des pâtes. Es pasta, c'est tout, lui il veut que des pâtes. Ok, il faut faire gaffe à ça. Oh, quand il y a des pâtes. Alors lui veut du parmesan, R, des oignons, N, du brocoli, B et de la pesto sauce. Peut-être pas tant d'en faire que ça, hein. C'est juste qu'on en a eu plein tout à l'heure et que ça me fait peur, mais... Parmesan, oignon, spinach, pesto sauce. Ouais, non, en vrai, ça va. Il veut juste des pâtes, ça on en voit. On en refait d'ailleurs, blackberry, pose d'or. Toi, tu veux pâtes, oil, shrimp. Là tu veux ça, 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 les poubelles évidemment. Merci pour le sub, bisous. Mec tomato. Tu veux du parmesan, des oignons, du spinach et de la pesto sauce. Là tu veux du parmesan, du shrimp tomate, mushroom pepper, tomato sauce. Là tu veux du C. Non. Merci Nicolas Sido pour Twitch Prime. C'est pas C pour le milk, c'est M. Oh la baise, cilantro quoi. Putain, du coup j'ai foutu du truc. On dirait que j'ai achoumé dans sa soupe là. J'ai laissé du Morvax dans sa soupe. Le nouveau DLC d'Isaac, c'est après-demain. Hein. Préparez-vous. À la fin, vite! Rajoute des ingrédients pour cacher. Ce serait beau que tu puisses faire des petites arnaques comme ça. Tu sais que ça te prenne plus d'APM, mais que tu puisses, genre, si tu sais que t'as chié avant ta commande. Ah, ça serait rigolo ça. Si tu sais pendant ta commande que t'as chié, parce que des fois t'es sûr de toi et t'envoies et c'est pas bon. Et genre là, si tu sais que t'as fait un mauvais binding, faudrait un espèce de truc qui te prend du temps. Comme si, genre, c'est comme si ça allait te prendre une commande en plus, quoi. Mais qui te permet soit de la refaire ou soit d'arnaquer le client en mode, hey, tiens, regarde. Tu m'as demandé chocolat, tiens, mais c'est du chocolat blanc, ça passe quand même. Enfin, pas ça, mais c'est un mauvais exemple. C milk, M, la feta cheese, P flower. Putain, mais il demande des trucs tellement bizarres aussi. J'ai envie de pâte au pesto, c'est un enfer. J'ai trop envie de pâte au pesto là tout de suite. I'll kill for pâte au pesto. Merci beaucoup Nicolas Zito. Nicolas Zido, pardon. Si tu veux le Discord, tu nous le dis. Et puis surtout, vous pouvez balancer des petits cheese bras, s'il vous plaît. Avant que je vous vire tous. Pas des cheese bras, des cheese music, pardon.
Nouveau DLC d'Isaac sort lundi. Ouais, il sort après-demain. Ouais. Bah, tout du moins, c'est ce que je réponds toujours quand on me demande, mais... Pourquoi j'ai mis du céleri là-dedans, connard. Les olives? C'est quoi les olives? V. C'est toujours V, les olives. Pourquoi je me suis planté sur ma soupe là aussi? Truc qui crame là, ok. C'est vraiment relou. Hein. La soupe tortilla, quoi. Les croutons. Ça vaut bien le coup de venir dans un restaurant gastronomique pour bouffer des croutons dans ton machin, quoi. Ne juge pas ce que les gens mangent, s'il vous plaît. Essayez de vous en rappeler. La vaisselle. Ça va les tâches ménagères, hein? Pas l'impression qu'il y en a 50. Si, on a 50. Raspberry, okay, ça va. On va pas avoir assez de soupe. On n'a pas fait assez de soupe. Faut que je fasse de la soupe maintenant. Ça va, c'est pas la pire. On va y arriver, on va y arriver. Concombre, là, c'est C. Purée, c'est P. Oh, purée. Curance closed door. Méditation T, c'est lequel déjà? C'est D. Parmesan, shrimp, olive, tomate, tomate sauce. Toi, tu veux de l'avocat, c'est A sur ce banning là. Ça, le bébine, c'est quoi bébine? C'est B. La purée, c'est P. On envoie ça. Toi, tu veux quoi? Tu veux du balsamique et du concombre. Ça, c'est olive, lettuce, Y flower. Toi, tu veux du balsamique et de la tomate. Toi, tu veux du watermelon. Juste des pâtes. La totale, la totale. Là, avocado, c'est V, faut pas se mentir. Cilantro et les croutons. Les toilettes à vider. Re, les poubelles. Allez, des pâtes. Parmesan, oignon, spinach, le sauce. Parmesan. Moi, oh, j'ai appuyé sur P. Non, mais non, mais non. Putain, pas à la fin, quoi. Non, pas la fin, c'est trop facile, quoi. Tiens, content. C'est parce que je l'ai dit. J'ai dit parmesan. J'aurais pas dû dire parmesan. J'aurais dû fermer ma gueule, me concentrer.
Ah, oh, je suis le pire en vrai. Je suis le pire. En plus, il y a toujours du parmesan. Personne ne prend des trucs sans parmesan. Saloperie de restaurant nul. Je sais pas ce que j'ai chié. Les pâtes, elles m'énervent. Concentrons-nous, bordel. L'OST de Cousseur des Chasses 2 par Jonathan Guillaume est désormais dispo sur Spotify. Genre aujourd'hui, là ? Vous voyez, c'est pour ça qu'on stream. Toujours dans l'actu, toujours sur la brèche. Depuis 2-3 jours, bah ouais, mais ça fait 2-3 jours que je vais streamer du coup. We'll get there. On avait moins de mal sur les cafés quand même. Je dis ça, je dis rien. J'ai trop faim, mon dieu, j'ai trop faim. Ah, Skija, t'es là? Oh, il est plus là. Oh, faites un clip de ce moment, s'il vous plaît, juste là. Quand j'ai dit Skija, t'es là, faites un clip, s'il vous plaît. N'importe qui, faites un clip, vous en faites. Merci beaucoup pour le sub, les bisous. J'avais failli appuyer là. C'est dingue comment j'ai envie d'appuyer sur P à chaque fois. Attendez, je suis là pour le sub, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis ultra concentré sur ne pas perdre ça. Merci beaucoup Alpou pour 6 mois. Et je suis pas très bon à cause du taf, mais le soutien est là. Merci beaucoup et GG pour ton badge bleu. Vert. Bleu, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Je suis totalement bourré. Il y a un truc qui est en train de cramer. Il commence à mettre des pièges aussi, là. Harmonité, c'est quoi harmonie? Merci beaucoup pour le clip. Je comprends pas ce que les gens mangent là, vraiment. Tellement de pâtes à faire. Ça donne trop faim, ta 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 la ta.
C'est vraiment trop chaud quoi. Vraiment, vraiment trop chaud. Salut Pomme Vapeur, ça va? Eux non plus ils comprennent pas ce qu'ils mangent, clairement. C'est des clients fancy. Il me reste que ça à gérer, c'est bon quoi. Les okonomiyaki, c'est le pire. Ah, c'est vrai que les okonomiyaki, c'est encore pire que ça. Faut avouer. Yes! Une belle médaille d'or, celle-là. Clairement, ce resto, il est dur, hein. J'ai plein de nouveaux restaurants genre super fancy quoi. Oh celui-là il doit être dur aussi, les saucisses là. Ce jeu me donne faim. Clairement le jeu donne trop faim. Absolutely. Mes derniers restaurants ils sont vraiment chauds. Ouais. Oh, on pourrait essayer de finir celui-là. Il est chiant mais on pourrait essayer de le finir. Les pizzas aussi. Pizza c'est compliqué hein. Les pizzas en plus ça donne faim à tout le monde. On peut essayer de faire un peu de pizza. Ah, les pizzas c'est chaud quand même. Surtout que là il y a tout là. Il y a tous les sortes de pizza là. C'est la tru, ça c'est la tru. Faut s'en rappeler, c'est la tru. La tru pour les salades. Le plus chiant, ça va être les calzone. Ils sont relous. FL, fold and seal. Faut jamais l'oublier, ça. And toast, pesto, sauce, cheese, pepperoni. On va faire du latru, là. Est-ce que j'ai chié ma première... Non, ça... Sur mon PC portable, les pizzas, j'ai déjà fini. Mais pour vous, évidemment, je le refais. Faut faire gaffe parce qu'il y a la ricotta spéciale aussi. Il y a la S-ricotta ou un truc comme ça. Le pointeur de la souris rend fou. Oh, calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. RT for Dice Tomatoes, quoi. Personne m'a commandé de pizza, les pizzas pas à faire à la main quoi.
On a full viande là. Heureusement que j'ai déjà eu de l'entraînement là-dessus parce que c'est chaud. Hein. C'est bien calme par ici. Bah je tryhard. Ce qui gère, il y a un clip qu'il faut que tu regardes et il faut que tu me dises si le client ne te fait pas penser à quelqu'un. Il est où le clip? Sur le chat. Ou tu peux, je sais pas, quelqu'un peut te le refiler, je pense. Les bonnes pineapples sur les pizzas. J'étais parti. Ouais, ouais j'ai vu ça. Salut Luxidimilius, comment vas-tu? Je pars 5 minutes, c'est la merde. Pourquoi c'est la merde? Ouais, je sais pas. Marche pas vos clips. Je sais pas s'ils ont fait le clip au bon moment du coup, mais... Sache qu'il y a quelque chose de très drôle. Quoi, la pizza toute blanche? Alors, t'as regardé? Le client, tu fais pas penser à quelqu'un? Dis pas son nom, hein, évidemment. Mais... Parce que je veux mon diplôme. Mais il s'est rebarré, quoi. C'est vraiment le pire. Ça va être chaud. Heureux. Mais putain, j'en étais sûr que t'étais rebarré, quoi. Ouais, j'étais parti regarder le clip. Alors, ça te pense à quelqu'un? Sans dire son nom, parce que je vais être diplômé. Le client? Ouais. Bah non. Bah t'es le pire. Bon, j'ai peur de faire de la merde, là. On verra. Il devrait me faire penser à quelqu'un. Ouais. Y'a quoi qui crame, là? Quelqu'un qui fait du ménage? Non. Quelqu'un que j'ai vu récemment. Très récemment. Ah, à cause des cheveux. Non, à cause de tout. Enfin, je pense de savoir de qui tu parles, mais... J'aimerais trop devenir pizzaïolo. Pizzaïolo. T'as le droit de devenir pizzaïolo? Ouais. Moi j'ai pas le droit. Moi j'en connais un. C'est vrai. Pour tout apprendre. C'est vrai que t'en connais un. Ou mes couilles! Pizzaïolo, mais au clavier. Clairement. Ça, c'est une médaille d'or facile, ça. Médaille d'or facile! Ta 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 ta. On entend ton neveu beugler! Ouais. Oh, y'a de la salade au poulet frit, c'est vrai. Oh, mais les derniers chiffres, ils sont trop durs. Still no news from my cousin. Bah allez, on tente les poulets. La true. Mais quoi? BM.
La salade César, il me semble, au poulet frit. Crispy chicken salad. Non, ça a l'air. Tu peux mettre de la sauce César dedans, mais... Fried chicken. De mémoire, c'est chaud, ça aussi. Tu peux mettre de la sauce César, voilà, mais c'est pas obligé d'être ça. Ah oui, et ici, le parmesan, c'est bien P. Sauf que, en fait, à chaque fois qu'il y a du parmesan, il y a un truc. Mais genre, je sais que je suis safe, normalement. À chaque fois qu'il y a du parmesan, il y a l'autre, ou un truc du genre. Il y a un moyen d'être safe, je crois. Eh, parce que les croutons, c'est... Ouais, c'est... Croutons, c'est R, là. Et c'est bon. Bacon bits. Voilà, PR. Vous voyez, en fait, à chaque fois qu'il y a le parmesan, il y a aussi les croutons. En fait, c'est ça. À chaque fois qu'il y a le parmesan, il y a aussi les croutons. Mais quand il y a les croutons, il n'y a pas tout le temps le parmesan. Donc, j'appuie toujours sur R dans le doute. Et ça passe, normalement. Je crois que c'est un truc du genre. Il faut connaître la strat, mais... Il y a un truc comme ça, je crois. Mmh, 6 pizzas pineapple qui partent. Ça donne envie, hein. Ça va les commandes là, tranquille ou un peu plus encore, non? Il y a trop de trucs différents là. Oh, c'est chaud quand même, c'est vraiment dur. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup trop de plats différents, quoi. Brrr. Incroyable layout. Mais oui, j'ai dit que c'était minimaliste aujourd'hui. C'est minimaliste. Minimaliste. C'est du minimalisme. À quand le speedrun, j'avoue. Merci beaucoup pour le sub. C'est qui? C'est Grouchil. Merci pour le Twitch Prime, des bisous. C'est très plaisir. Bienvenue à toi. Oh là là. Des bisous, merci beaucoup. Oh, c'est chaud, putain, je sais même pas si j'ai envoyé la bonne salade là. Enfin, la bonne pizza plutôt.
Ah, j'en étais sûr que j'avais chié une pizza. J'en étais sûr. Dis-moi, tu aurais des infos sur le prochain jeu indé dans le site Death Gambit et The Messenger. I don't know. Je sais qu'il y a, y a un putain de jeu qui sort là dans quelques jours, là, dans 2-3 jours. Il y a un gros jeu. Enfin, un gros jeu. Un jeu indé qui a l'air trop cool. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai chié une pizza. Je sais pas ce que j'ai mis dessus, mais je l'ai chié. Désolé. Salut Miss Georgie. Merci beaucoup, gros chim. Des bisous. Time Shifter. C'est Time Shifter, c'est ça? On va se regarder le, on va se regarder le trailer ensemble. Après ce shift-là, on se regarde Time Shifter. Same old, take my RNG. Oui, parce que j'ai un chat privé, évidemment, avec, avec Aeterna. Nous envoyons des cœurs en plein live. Stuff. Vous voyez, je fais le vrai... Vous savez, dans... Dans, comment dire, dans... Dans le premier Cooksor Delicious, on devait répondre au portable aussi. Bah moi, je fais ça en même temps. Je gère l'amour, en plus. Ta-ta-ta. Time Spinner. Time Spinner, il s'appelle. Je gère les APM partout en fait. Je suis déconcentré. PB, le PB. Stuff, queso cheese, sausage, parmesan. Je crois que j'ai oublié un truc. Oh non, mais putain, mais j'ai plus de... Ah! J'avais plus de sides. Oh, j'ai pas de pizza non plus. Oh, je me suis laissé... je me suis laissé déborder. Au secours! Oh, il faut tout donner, là. J'ai failli appuyer sur 3, ça aurait été une catastrophe. Oh, j'ai trop de retard, putain. Ça passe ça? Ok, d'accord. J'ai fait un peu n'importe quoi pourtant. Je suis content que ça passe. Bah, il faut que je prenne du temps pour faire des sides, là, parce que... Trop dur. Merci gros Léo d'avoir renouvelé ton abonnement grâce à September. Do you remember? Oh, j'ai tellement bien dormi cette nuit, j'avais besoin d'une nuit de sommeil. Hein. Non! La truie là. Oh, faut que je refasse des pizzas. Oh, full tâche ménagère, t'es pas sérieux.
Ah, on envoie deux pizzas après. Je crois que j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. J'ai trop peur. Oh, je bitch out là. Je fais n'importe quoi là. J'ai pas le temps de bitch out. Ok, c'est le moment de vérité. Est-ce que j'ai foiré la pizza du haut? Non. Est-ce que j'ai foiré celle d'après? Non plus. Il faut des pâtes. Il faut des latrues. Deux pizzas à faire. Partout là, on va le faire. Oh, c'est chaud, les pizzas c'est trop chaud, putain. Je guette tous les nouveaux Bongo 4, il y en a vraiment des génialissimes. Bah, en fait, le gros problème c'est qu'après ma journée 2 fois 2 heures de sommeil, j'ai fait une journée. J'ai fait une nuit de 6 heures, c'était pas suffisant. Là, cette nuit j'ai vraiment bien dormi. Et j'ai pas mangé n'importe quoi surtout. Du coup, ce soir, faudrait pas que je mange n'importe quoi non plus. J'espère que j'ai pas chié le dernier. En parlant, je crois que j'ai fait de la merde. Non, c'est bon. Donc là, c'est la même chose. Sauf que... on n'a plus les calzones. Oh, c'est compliqué quand même. Merci pour le GG. Oh, attends, on va regarder le trailer de Time Spinner. Time Spinner Game. Time Spinner by Lunar machin. Attends, le trailer il date de Starting Official Trailer. Mais attendez, le trailer il peut pas dater il peut pas être si vieux le trailer. Rated. Sexual themes. Regardons le trailer d'un jeu qu'on va faire dès sa sortie, du coup. T for teen. They came for my home. They came for my friends. They came for my family. Now, I control time itself. C'est Castlevania! I will use this power to change history, no matter what the cost. The Empire has taken everything I love. I will destroy them all. Le jeu de la vie! C'est Castlevania DS. C'est comme la DS. No one will stop me. Time Spinner. Génial. Bref, on jouera à ça. C'est comme Mario. Le jeu a l'air cool, si je trouve pas que la DA c'est ouf. C'est vrai que la DA a pas l'air d'être ce qu'il y a de mieux, mais... c'est pas mal. Ça a l'air d'être Castlevania en mieux. Ça a l'air d'être genre Bloodstain en mieux.
La truffe. Putain, on a vraiment que les pâtes et les salades pour nous carry. Kazum en mieux, bah ça oui. Ça se trouve, ce sera pourri. J'arrête de me hyper. Ça se trouve, ce sera nul. C'est clairement un Metroidvania type DS, quoi. C'est clairement dans la veine des Array of Sorrow et tout. C'est pour ça que ça me botte de ouf. Moi, si je travaillais chez Konami, c'est le seul truc que je demanderais à faire. Hein. On enlève les salades. Ah oui, les bay wings. Oh, les wings, ça va me donner trop faim, ça. Teriyaki. Ah, c'est quoi déjà? WT. Faut gérer les wings, faut que je me rappelle des noms des sauces. J'appuyais sur un truc. J'appuyais sur S, je crois. Je pensais être en train de faire le rat. Je suis désolé. Je pensais que j'étais en train de faire le rat. Allez, concentré. Parce que j'avais pas vu qu'on avait un shift en plus, on a le 10. Du coup moi j'ai appuyé sur 9 parce que je pensais que c'était mon dernier shift. Mais pas du tout. Pas mon dernier shift, mais la dernière station. Ok. J'ai bugué là. C'est une caméra pour le clavier, calmez-vous s'il vous plaît. WT à chaque fois. Parler de quel jeu les gens que t'aimes Spinner. Mal à ma choix. Oh, la pizza facile, la chance. Pineapple, bah.
Oh, c'est chaud, putain. Là, en fait, l'entre-shift, tu t'en sers pour... Tu t'en sers pour revenir dans la game, quoi, hein, clairement. Tu t'en sers plus comme un moment de pause. C'est vraiment le petit moment où tu peux espérer ne pas avoir des trucs partout. C'est là que ça commence à être de la merde, quoi. Si je m'en sors là-dessus, c'est un putain de scandale, quoi. Oh, je m'en suis sorti alors que je m'étais planté, je sais pas si vous avez vu. Je m'étais tellement planté. Je sais pas si vous avez vu, si quelqu'un a vu, c'est un génie. Si quelqu'un a vu et qui a réussi à suivre comment je m'étais planté, comment je me suis rattrapé, c'est du génie. C'était clairement incroyable ce qui s'est passé. Oh, je suis un génie. Je suis un putain de génie. Trop un génie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était sur une pizza. Attends, je vais vous montrer en recommençant. Bah, de toute façon, c'est les pizzas qu'on fait. En gros, ce qui s'est passé... Regardez, en fait, c'était sur une pizza. Les pizzas que je peux pas louper. Donc, pas celle que je vais vous montrer là, mais une qui arrive en jeu. J'ai mis la pâte, machin, et là, il fallait du parmesan. Il fallait le parmesan, et comme un connard, j'ai appuyé sur space d'abord et j'ai appuyé sur R. Du coup, je me suis dit, merde, j'ai perdu. Et je suis revenu à cet écran-là, et j'ai vu qu'il fallait aussi des red pepper. Du coup, j'avais gagné. J'avais juste à faire ça, me revenir, et mettre les dice tomato. Et c'est passé. Mais sauf qu'après, j'avais pris beaucoup de retard. Mais c'est ça qui s'est passé, en fait. Je voulais vous le dire en direct, mais c'était un peu compliqué, quoi. Donc là, la même chose, mais avec ça à la place des... Ouais. En gros, c'est le Shift 6 avec... le Shift 6 avec les... Avec, comment dire, les mousses en plus, quoi. Et puis, on a plus les salades aussi. C'était sur une commande, pas un side, bien sûr. C'est ça le problème, c'est que j'avais pas le droit de me foirer, en fait. La petite pizza de 6h du mat, là. C'était vraiment, vraiment dur. On a eu de la chance. Clairement, c'était full luck, quoi.
Parce que s'il n'y avait pas de red peppers à mettre, c'était perdu. Mais même avec les red peppers à mettre, fallait avoir la... Fallait rattraper le retard pris, du coup, c'était dur. Clairement, avec tout qu'elle est cramée, là. Je sais pas si j'ai loupé. Non, j'ai pas loupé de sub, c'est bon. Va falloir être chaud de la pâte, là. Hein. Clairement, va falloir être très très chaud de la pâte. C'était sur exactement cette pizza d'ailleurs, je crois. En vitesse là. Chaud. Je peux même pas dire ce que je fais en même temps que je le fais parce que genre ça va plus vite que le débit de parole quoi. Au moins je suis moins dans la merde à l'entre-shift que sur la run d'avant, donc ça c'est cool. Non, ça on s'en fout. Macaroni qu'on veut. Des macaroni. Hop, hop, hop. BU. C'est pas BN, c'est BU ça. Hein. Il faut absolument qu'on prépare deux séries de pizza pour le shift. Pas pour le shift, mais pour le... Je sais comment ça s'appelle. Ouais, le rush hour. Plein de pâtes aussi. Oh là, c'est chaud. Qu'est-ce qui crame ça? La vaisselle en retard, putain. Mmh.
Fais chier les lave-vaisselle. Yes! Bon. Il nous reste celui-là à faire. Et celui-là, il est vraiment dur. Pour le coup, celui-là, c'est un enfer, quoi. Cette machine MD. Allez, on tente le dernier. Ce serait pas mal qu'on le réussisse, ce serait cool. C'est Ludo le manchot. Let's go. Surtout que là, le problème, c'est qu'ils nous remettent full... Oh là là. Bon, moi, on a plus de temps pour les commandes, puisqu'on a, on a deux sides en même temps. Du coup, on passe à 31 secondes d'attente sur les clients. Ça, c'est cool. Ce qui fait qu'on était vraiment dans la merde sur celui d'avant, c'est qu'on n'avait qu'un type de sides. Du coup, on était à 16 secondes d'attente, ou encore moins, je sais plus. Enfin, c'était débile, quoi. Ou alors là, comme on est à 46, moi je comprends pas. L'attente est en train de varier, je ne comprends pas du tout. Là j'ai tout, hein. Le problème c'est que là il y a toutes les commandes possibles, quoi. Oh la sale pizza, quoi. La sale pizza de ses morts. Oh, j'espère que ma touche 11 elle marche, hein. C'est la parenthèse là, mais j'espère qu'elle marche, hein. Si elle marche pas, c'est un enfer. J'ai oublié de faire des pizzas. Oh, quel enfer. Oh, j'ai mis de la pesto sauce, je crois. Oh, je peux pas savoir. Oh, tant pis, hein. On est dans la merde, mais à mon avis, c'est perdu. Je crois que j'ai mis de la pesto sauce, mais... à vérifier. On verra bien quand elle sera cuite. Ouais. Je le savais. Je le savais que j'avais mis de la pesto sauce, putain. Dommage. Non, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Allez, on veut le réussir, celui-là. C'est le seul qui manque pour la pizzeria. J'allais envoyer des wings pas cuites, les wings bien, bien molles, là, bien dégueu.
la tangy sauce, la fameuse. Putain, mais les sides de ce putain de restaurant périment trop vite, c'est un enfer. J'ai mis du ranch, pourquoi? Oh, je commence à tilter. Je commence à être en tilt. Je fais n'importe quoi, j'ai mis du ranch. J'étais en train de penser à la prochaine, enfin à la prochaine étape, quoi. Et la prochaine étape, c'était de mettre des croutons. Fais chier, putain, je suis trop con. Je bourre trop, en fait. Faut que je bourre moins. Faut juste que je sois un tout petit peu moins rapide que ce que je suis actuellement. Et normalement, ça me permettra d'avoir plus de temps de vérifier ce que je fais. Parce que sur le chiffre d'avant, j'ai vraiment été trop rapide, ça a marché, mais j'étais en roue libre. Là, je suis plus en roue libre. Surtout sur ça, en fait. Ça, j'hésite trop. Les salades, elles sont quand même assez compliquées dans cet épisode. Hein. C'est tellement gratuit sur Cook Serve 1, les salades aussi. Ah, je me plante de boutons, je me plante de boutons. J'appuie sur 3 au lieu de 4, c'est un enfer. Je suis plus dans la zone là. I'm not in the zone anymore. César, PR, BU. Ah mais là je fais des faking puts, j'ai appuyé sur 2 en même temps que 3, ça m'énerve. Des false inputs quoi. Je suis plus dans la zone. I'm not in the zone. Faut que je focus. Sauf. Commencer par là, ce sera plus simple. Donc on fait la pizza. Ensuite, on envoie celle-là. Ensuite, on fait toutes les wings. Ensuite, on fait tous les... On envoie ça. Ensuite, on fait ça. Merci beaucoup pour le sub, des bisous. Merci pour le sub. Pa
Oh, y a trop de trucs, OMG. C'est trop chaud. Je crois, mais quoi qu'il crame, ça crame. Hein? Oh non! Oh, je me suis tellement mis dans la merde pour rien! Ah mais ouais, mais putain, mais je me suis mis dans la merde à cause de ça. Merci Rizol pour le Twitch Prime. Je me suis mis dans la merde parce que les sides, c'était pas les bons. Je voulais mettre des sides. Crah, je voulais mettre des sides. Ah, j'ai chié, putain. Bon, tant pis. On le réussira la prochaine fois. Moi, je vais y aller, du coup. Je vais vous faire des bisous à tous et toutes. Merci pour les subs, merci pour les resubs. Vous avez dit qu'il n'y aurait pas de stream ce soir. Même si je sais pas dans quel bar je vais. Non, j'ai chié les sites. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous fais des gros bisous, merci à tous. Et on se retrouve demain. Gros bisous. Merci. C'était sympa.